C'est décevant parce qu'on attendait des réponses, enfin des réponses. Vous savez qu'on a contacté quand même Jean-François Copé avant de publier cette enquête et qu'il n'a pas voulu répondre à nos questions. Là, on s'est dit, tiens, il convoque les journalistes, il doit avoir des chiffres à donner, il doit révéler les comptes de l'UMP, etc. Eh ben non, rien du tout. Il y a un système qui est assez drôle, il faut dire. Hein. C'est-à-dire, je publie si tout le monde publie et en faisant en sorte d'avoir un champ suffisamment large pour être sûr que sa proposition de loi n'arrive jamais à l'Assemblée ou ne soit jamais votée, comme ça il pourra peut-être ne jamais publier ses comptes. Moi ce que je retiens, c'est que les informations qu'on a demandées, on ne les a toujours pas. Et alors nous on a apporté des réponses parce qu'on a enquêté, mais lui ne répond pas sur les chiffres. Moi je note que sur le fond, il n'a apporté aucun démenti à ce que nous avons écrit la semaine dernière. On ne vise personne, on fait notre boulot, on est journaliste, on fait des enquêtes. C'est ça le journaliste, c'est de faire des enquêtes, et parfois quand on fait des enquêtes, eh ben, on trouve de l'information. Nous, on a tapé comme des sourds sur la politique économique de François Hollande depuis des mois. On a une enquête sur Jean-François Copé. La théorie du complot, franchement, ça va pas très loin. Voilà. On est un journal libre, indépendant, et c'est notre boulot de faire ça.